Ici à l'Amérique, il y a des choses moins chères. Hein. Ça, ce sont les bananes plantées. C'est combien? C'est 1 dollar ou 1,99 par libre. Libre, je ne sais même pas c'est combien à kilo. Un libre, c'est combien à kilo? Je vais vérifier. Ça, c'est ce qu'on appelle le chou. C'est combien? C'est 59 cents. 59 cents par libre. Donc, libre, c'est 0,4 kg. 0,4 kg, tu as ça là. Non, ça, c'est même pas les choux. Je ne sais pas si c'est quoi là. Ici, les choux sont moins chers. Hein. Ça là, c'est, je ne sais même pas si c'est quoi. C'est 1 dollar. C'est 1 dollar, 1 dollar par libre. Libre, c'est. Libre est égal à 0,4 kg. Ici la vie est moins chère. Hein. Regarde un peu les pommes de terre. Ça c'est 1,29 dollars si tu prends presque demi kilo. Presque demi kilo. Ça c'est bon. Ça c'est quoi même? Moi je consomme ça souvent, surtout ici aux États-Unis avec les. Si tu ne veux pas partir souvent à l'hôpital. Ça avec le citron, tout ça là, c'est 1,29, presque demi kilo. Si tu prends demi kilo de ça, tu payes 1,29 dollars. Ça même, c'est quoi? Je n'ai jamais vu une chose pareille. Hein. C'est quoi même ça là? C'est pas la patate douce. C'est bizarre, hein? C'est combien? C'est 98 centavres. C'est presque 1 dollar par demi kilo. Ça, c'est le coco. C'est combien? C'est 1,79. Ah, ça je connais. Ça vient du. Il y a les plantes là qui mangent ça en Afrique. J'ai oublié le nom. C'est Sampou Sampou. Comment on appelle les Sampou Sampou? Si tu es congolais, comment on appelle les Sampou Sampou? C'est comme ça vient avec les Sampou Sampou, ça là. Ça aussi. C'est comme ça. Ça pousse sur la terre. Ce n'est pas dans le sol. C'est presque 1 dollar, 1 dollar. Ça même si je ne peux pas acheter ça, la patate douce comme ça là, je ne peux pas jamais acheter ça parce qu'ici c'est presque gratuit. Les Africains n'aiment pas ça ici aux États-Unis. C'est 2 dollars par demi kilo. Les Africains aiment souvent ça. Les Africains n'aiment pas ça ici aux États-Unis. C'est beaucoup ici. Je vais venir après. Ici, je suis là où il y a plusieurs sortes de. Ça ici c'est 1 point. C'est presque 3 dollars par demi kilo. Je suis aux États-Unis. Si tu as aimé ce genre de contenu, fais-moi signe. Ça même, non, moi j'aime ça. Les rouges ici, c'est sucré. Si tu viens, n'achète pas ça. C'est ça ici. Tu vois les ça ici. La pomme ici. C'est sucré. C'est très sucré ça. C'est 1,49. Si tu prends demi kilo. Presque demi kilo. Il y a aussi le. Il y a des choses ici, non, ça m'a attiré. Hein. Waouh! Ça même, c'est quoi même? Non, je vais venir un autre jour pour voir ça. Donc, on va un peu voir le. Qu'est-ce que c'est ça? Les oignons. Moi, vraiment, j'arrive pas à comprendre la différence de ça là et ça là. Bon, pour nous les Africains, je pense que ça c'est. Et ça aussi. C'est tout différent. Et ça aussi, c'est aussi différent. Chez nous, en Afrique, il y a plus que ça. Je ne sais pas la différence avec les oignons. Dis-moi un peu sur le commentaire. C'est quoi la différence entre les oignons blancs, jaunes et rouges? C'est 1 dollar. Si tu prends demi kilo, c'est 1 dollar. 1 dollar par demi kilo. Il y a aussi les oranges de Piquimé. Il y a un peu de banane. Les bananes ici, c'est demi kilo, c'est. Demi kilo, c'est 79 centavres. Les bananes. Ici, il y a presque la nourriture de tous les pays du monde. Il y a la nourriture de tous les pays du monde. Ça, c'est 4 points, c'est 5 dollars, demi kilo. Je ne sais pas si ça, c'est 1 kilo ou demi kilo. Je ne sais pas. Non, je ne veux pas des trucs comme. Je ne veux pas abîmer l'esthétique.
Le lien avec les États-Unis, tu vas bien te nourrir parce que si par jour tu gagnes plus ou moins dans les 100, si tu es au débit comme ça, tu peux gagner les salaires de 100, les petits salaires c'est les 120 dollars. Hein. Ça c'est beaucoup en Afrique. Mes amis, ça je connais même pas les noms. C'est pousse là, j'ai. C'est quoi? C'est eggplant. C'est 1 dollar par demi-kilo. 1 dollar. Si tu prends demi-kilo de ça, c'est 3 dollars. Pourquoi ça c'est cher? Et ça là, c'est quoi même? Mes amis, si vous connaissez les noms, mettez les noms pour moi. Hein. Je n'ai jamais vu une histoire pareille. C'est un peu comme les quoi? Les dinosaures. What? Et ça, ah, ça c'est le quoi? Ok. Ici aux États-Unis, les Américains, ça ce sont les quoi? Les madesu. Comment on appelle les madesu en français? Ici maintenant, ils mangent comme ça. 5 dollars, c'est cher. Hein? Tu sais pourquoi c'est cher? Parce qu'ici, c'est une nourriture de luxe. Ça, je connais même pas si c'est quoi. C'est 1 dollar de papayer. Donc, je disais, si ici, une femme qui a un petit boulot là, tu travailles 8 heures de temps par jour, tu peux gagner dans les 120 à 160 dollars par jour. Et ici, la nourriture, c'est moins cher. Est-ce que je peux voir les Lumba Lumba ici? Non, il n'y en a pas. Vous voyez les prix, hein? Il n'y en a pas. Ah, c'est ce que je cherchais. Bon, je ne cherchais pas, mais je voulais seulement voir les prix de ça. Ça, c'est 2 dollars par demi-kilo. C'est ça, les choux. Non, c'est même pas les choux. Il y a beaucoup de choses pareilles comme les choux, mais ce n'est pas du tout. Bon, je voulais seulement vous faire voir un peu la réalité d'ici. Aujourd'hui, je suis plus dans le... Ça ici c'est espinafre, c'est 1 dollar par demi kilo. Si tu veux les herbes, tu peux venir seulement ici pour prendre les herbes ici. C'est juste pour donner les mamans qui veulent venir ici en Amérique, hein, pour leur donner, ça c'est, si tu prends 1 kilo de ça, c'est 1 dollar. C'est un peu pour avoir l'idée, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent, pour leur donner l'idée. C'est les riz. Ça manque pas avec la nourriture des Africains. C'est 3... Rendez, c'est quoi? Fresh, green... Je n'ai pas compris. Ok. Je comprends maintenant. Ok, je comprends. C'est 3 dollars. 3 dollars par demi. 3 dollars par demi kilo. Donc tu vas prendre comme, je ne sais pas, tu vas prendre beaucoup. Yeah. Je ne sais pas pourquoi les gens ici n'aimaient pas l'effet des patates douces ici. C'est les riz, c'est 1 kilo de ça, c'est 69 centaves. 69 cents. C'est demi dollar, tu prends demi kilo. En cette boutique ici, il y a beaucoup de drapeaux, c'est-à-dire il y a beaucoup de pays ici. Chaque pays est représenté, il y a les histoires de chaque pays ici. Bon, comme aujourd'hui, ce n'était pas pour vous filmer ça, je vais sortir. Je vais venir un autre jour pour vous filmer maintenant les choses qui sont ici à l'intérieur. C'était juste pour donner les mamans les idées. Donner les idées aux mamans. Donner un peu les idées aux mamans. Quand tu vas venir ici, tu sais déjà combien ça coûte le condiment pour la cuisine. Tu as déjà une idée. Ok? Let's go.